Moi, salut tous les amis, faisait la caillou. Bienvenue sur Chanel Paula, Chanel Information, hein? Chanel qui pas retiré, qui pas mette dans nouvelle que la baille. Parce que nous pas fait nouvelle, nous-mêmes nous baille et nouvelle. Parmi informations que nous pourrons partager ensemble avec nous, après que président Jovenel Moïse a été fin bah, un discours enregistré à 2h10 matin, que l'opposition lui-même lui traite des discours champrel, discours lougaou, c'est pour l'heure que Jovenel Moïse a été diffusé et discours ça à 2h10 matin, et bien à travers pays, principalement dans la capitale haïtienne, manifestation te fait la pli. Manifestation tout côté, caoutchouc taboulé, barricade, magasin à piller, pompe gaz à bouler. Même maman Liliane Pierre-Paul arrivé victime dans journée manifestation ça. L'autre point que nous pourrons partager ensemble avec nous, pendant même manifestation, un jeune et garçon arrivé joindre la molle que manifestants ont attribué à la police qui t'a touillé et jeune garçon ça. Tout en détail, information ça yo ici. Mais dans la ville province, tout ça n'a pas traité comme ça. On allait dans la ville Jacmel, côté que gagne plusieurs écoles qui étaient arrivées boulées dans la ville Jacmel. Il y a l'école mère qui est arrivée badigeonner ensemble avec matière fécale. Pas débranché, n'a pas tourné pour nous capables de porter information toute. Et détaille toute information ça pour nous. Yon l'autre côté nous voulons et partager ensemble avec nous soi-disant bandit qui t'a kidnappé yon bus élève, mais la police dit jusqu'à présent les mêmes pas encore recevoir en rien aucune plainte concernant et information ça. C'est toute information ça ensemble avec en plus l'autre nous pour gagner chance pour nous capable et joindre dans développement yo, ensemble avec équipe nous et nouvelle et journal, première occasion qui passait sur Radio Caraïbe avec équipe Paula, Guerrier du Seul et Pierre-René et Renel. Pas débranché, n'a pas tourné pour détailler toute information. Quelqu'un a principale information après la guerre pour nous développer un discours. Chef l'État semblait pas arriver calmé, colère, groupe de la population qui ont fait encore occupé béton ailleurs. Activité ont été paralysée dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Manifestation improvisée avec violence, caroutchouc a boulé dans quelques coins. En cours sur route d'Elma, Carrefour Vincent, Lison, Dikini, à 117. Manifestants avaient été du feu dans une pompe gasoline totale dans Delma 17, et puis attaqué plusieurs autres sur route d'Elma. Il y a un jeune garçon qui a participé dans le mouvement de protestation et mourir en Babal dans Delma 75. Manifestants ont longé droite sous la police nationale d'Haïti qui, d'après eux, a l'autre axe. Il y a machine, la police a boulé dans Delma 61. Dans combien de cité soleil, il y a un mouvement qui a boulé caoutchouc. Et puis tiré roche sous base Udmouan. Il y a un camion blindé qui est obligé de venir renforcer pour sécuriser la base. C'est là. Actualité à tout, c'est dans ville provinciale, côté dans certaines villes provinces, ben situation pas différente. Dans Jacmel, l'individu pas arrivé identifié, mettait du feu dans la barrière, lycée Pinchinac, lycée Céline Lamour, et puis local LDH Jacmel-Lan, caoutchouc, campil barricade, toute activité a été paralysée dans métropole sud-est-Lan. Dans Saint-Marc, manifestation à campil violence, bilan Michel Bételus, un commerçant, ben il est touillé, et un manifestant, il est touillé. Il y a un citoyen qui est tatoué, mais il est blessé plutôt à cabal. Il y a un jeune garçon. Dans le moment, manifestant a été attaqué. Il y a un groupe manifestant a attaqué le commissariat. La police a arrêté 4 personnes toujours dans ses marques. Et puis, dans le naïf, manifestant a été une manchette à Grigoise. Dans le moment, il a exigé démission au président de la République. Dans le balai, en pile cartouche, il a tiré 2 machines qui ont sorti Beladère Boulé. Il y a un agent policier blessé. C'est toute activité a été paralysée. Et puis dans Gonaïve, il y a la pluie qui t'a tombé, qui la cause plusieurs cas inondés. N'a pas gagné dans le commencement du journal. L'intervention correspondant donc Jolie 25 Jules pour connaître comment la situation a été. Invité d'écouter circonscription, qu'est-ce qu'on fait là, Alfredo Antoine, a demandé tout le secteur dans la vie nationale pour prendre responsabilité dans la crise pays à prôner, dernier temps ça y est. Puis loin, parlementaire a demandé l'église pour chercher jouer le rôle palin, qui c'est le rôle mi-temps jouet là, une façon pour faciliter tout acteur, arriver chez ta sur la même table, dans un dialogue sincère pour aider à résoudre la crise sociopolitique là, qui durait trop longtemps, d'après député qu'est-ce qu'on fait là.
premier ministre démissionnaire l'a installé hier, ministre démissionnaire éducation, Pierre-Josué Agénor Cadet, comme nouveau ministre AI, ministre intérieur à collectivité territoriale. Dans même arrêté présidentiel, ça, chef l'État, nommé ancien ministre agriculture, Lionel Valbouin, comme secrétaire général de la présidence, un grand ministre, les remplacer Jean-Hilbert Lebrun. Panique dans le sud paysan, tremblement de terre, magnitude 4.6 dans diverses villes dans le département, matin et mercredi, donc ailleurs, ville Okaï, pour salut à Saint-Jean du Sud, directeur général du bureau Minak Énergie qui confirmait vibration sismique ça, qui en profondeur 10 km, fait qu'on est au chercheur après à poursuivre pour identifier et puis sans tremblement de terre, ça, d'après ingénieur géologue Claude Prepti. Denis Louis Ney, 60 l'année environ, mourit à soir mercredi en localité deuxième Boucan, Boispin, commune Cornillon. C'est un l'oreille qui tombait sous victime d'après magistrat Jean Balaguel Berthaud. L'Association nationale médias haïtiens ONMH condamné Zach violence qui a privé chaque jour sur le territoire national dans indifférence totale autorité. ONMH qui c'était qu'un journaliste photographe Dionalio Chéri dit étonné ouais la justice par même l'ouvrir une enquête pour t'attendre sénateur Ralph Fétier et puis comprendre dans quelles circonstances était arrivé utiliser Zamli dans un espace comme ça. N'a pas rappelé Dionalio Chéri a publié tant jusqu'à vendredi donc demain pour les capables d'opérer à cause médecin au patin qui arrive à l'hôpital l'an journée mercredi. Mais la justice dit le saisie, c'est ça, commissaire gouvernement Port-au-Prince là, fait qu'on est. Météorance Villa dit il est déjà prêt à toute disposition pour mettre action publique en mouvement concernant un dossier ça. Paquet Port-au-Prince dit le saisie et dossier sénateur Jean-Marie Ralph Fétienne a préplé qu'il lundi dans le Parlement et l'ouvrit coup de zam pour être capable de disperser militants qui étaient agressés. Et donc, il y a plusieurs monde qui est blessé Akbal Panio, Dionalio Chéri, journaliste photographe. Un groupe Timoun qui était trouvé à bord un bus abonnement scolaire. Ça est passé dans Fontamara matin en direction centrale police et judiciaire. Nous parlons avec un responsable fin qu'on est, pas recevoir aucune plainte parlant qui est victime par une situation comme ça. Bon, bien que yo reconnaître information ça, yo tendé dans la presse, même gens que nous toutes qui lit ont information comme ça sur réseaux sociaux, mais logiquement si gagné un incident comme ça qui est arrivé effectivement, faut que tu as gagné plainte parlant qui a déposé au niveau de DCPJ ou même à travers et commissariat et qui dans zone qui concernait yo pas arrivé au tracé aucune information qui t'a fait état de Timoun qui était à bord en bus bandit grand ravine kidnappé et nous mêmes dans recherche nous fait jusqu'à matin nous pas arrivé au tracé aucun parent qui concerné par une situation comme ça situation qui fait état de Timoun qui était à bord un bus abonnement scolaire bandit a kidnappé dans niveau Fontamara est à rentrer avec eux dans Fontamara, dans zone Grand Ravine, selon information qui a circulé depuis hier. Donc, responsable des CPJO, eux-mêmes qui dit information ça, ils tendent même genre à tout le monde dans la presse, mais premier élément enquête, ils pas permettre de retracer aucun incident comme ça qui arrivé ailleurs dans zone Fontamara, guerrier du sol. Oui, et donc nous avons fait contact avec le commissariat Matissan, c'est ça, pour qu'on ait ce que bon idée d'information ça ou bien rumeur ça. Donc même j'ai tout le monde, c'est sur les réseaux sociaux autant des citoyens qui ont blagué information. Et le commissariat Matissan dit qu'il n'y a pas qu'on informé, il n'y a pas recevoir aucune plainte tout de un dossier pareil. Donc nous-mêmes, nous seulement fait devoir nous chercher, confirmer est-ce que c'est vrai, parce que les réseaux sociaux des fois, ils ont
des bagages qui ca utile monde ou même comme journaliste qui capable mettre sur des pistes pour vérifier confirmer si c'est vrai mais dans le cadre de dossier ça côté un citoyen qui vont voice hein pour dire yo kidnappé un bus qui gagne tout monde nous connaissons dans une situation politique fragile côté gagne de monde qui peut-être cap profiter mettez plus peur là qu'à parents yo qui pas qu'à vous étudier l'école à cause des troubles qui gagnent dans la rue comme ça tout il était capable vrai hein puisque gagnent bandit tout côté dans le pays hein, presque chaque coin passé son groupe de gang donc nous mêmes nous fait devoir nous qui sait vérifier bon côté autorité yo pour connaître est-ce qu'ils ont information comme ça mais tout ça qu'à présent je ne dis là au niveau des CPJ yo pas recevoir aucune plainte de ça et dans le commissariat Matissan qui tout près Fontamara, donc il dit qu'il n'y a pas au courant, il n'y a pas recevoir aucune plainte de dossier. Ça. Donc nous continuons à chercher l'information hein, pour connaître si c'est vrai ou bien si c'est monde qui a utilisé les réseaux sociaux pour faire monde peur dans la situation de turbulence que le pays connaît jour et jour. Oui, il y a de l'autre, dit rumeur encore sur les réseaux sociaux qui pourrait avec l'école là, puisque le ministère de l'Éducation nationale après obligé de démentir. Nouvelle qui t'a laissé comprendre, ministère a annoncé l'école la fermée jusqu'à nouveau l'ordre des notes qui a circulé. Il a fait le sien directeur communication, le ministère de l'Éducation nationale. Là, il nous dit Vincent qui démenti information ça à travers une note n'a gagné pour nous lire pour tout à l'heure. Mais il faut nous reconnaître l'activité de l'école là, elle était paralysée depuis environ deux semaines après seulement première semaine rentrée classio côté l'école le privé reprendre l'activité comme ça droit. C'est un secteur nous reconnaître qui est plus touché par dernier mouvement mobilisation la rue. Hein. Et concernant communiquer ça qui est en circulation sur réseaux sociaux et qui est porté signati directeur communication ministère éducation nationale la Miloudi Vincent qui t'a demandé pour porter l'école lui aurait été fermée jusqu'à nouvel ordre ministère porté un démenti formel à communiquer ça les qualifier de faux d'après ministère faux information ça ces œuvres mon groupe qui gagnait intérêt déjà avoué dans tant qui passait ou bien qui continuait caché et dans ce bureau communication ministère éducation nationale l'amende population communauté éducative là en particulier pour pas prendre au sérieux notre ça faux et notre ça qui a circulé sur réseaux sociaux donc façon pour mettre fin à série notre saio qui a multiplié sur les réseaux sociaux et qui t'a gagné pour avec l'école là donc pas aucun note comme ça ministère mettez dehors pour demander font ils camper sur l'école là jusqu'à mais ça va camper l'école tout mais ça va camper l'école bon en tout cas nous fait travail nous et seulement n'a demandé mon pour appeler précaution hein sur ça qu'a venir joindre comme information hein et c'est vrai mon on pratique on n'importe ça qui tomber dans main sans pas analyser yo transférer hein le bay monde et puis faire le marché bon nous même comme journaliste nous fait travail nous qui c'est chercher côté sous information ailleurs si c'est vrai il y a aucun cas partager avec auditoire nous on a l'impression que monde qui prend plaisir même comme si il y a accès avec l'autre information et médias traditionnels mais pour faire sensation pour faire sensation donc même il y a pas alimenté et oui mais il y a pas alimenté fausse information réseaux sociaux les a multiplié parce que le monde le voit en information les partager avec vous les quand bon connaît ces journalistes bon niveau pour confirmer alors ce gars nous on connaît mon censé donc il n'est accès il pas capable permettre lui à et faire jouer ça sur ce réseau social il y a des bails qui pas vraiment grand pique sens et à la gueule et puis ouais gars mon qui partage le même genre toujours répéter ça Jacques Mel et Marigot mon volé quitter la caillou parce que il autant de pral gain tsunami hein on s'est traité il dit pral gain tsunami tout le monde qui sous côté retirer quoi nous bon m'a dit si de tremblement de terre on pas connait. Ouais, mais malgré ça, moun yo pral, yo couri kite la kayo pour faire voler vin envahi yo. On retourne dans l'actualité avec seulement quelques temps, hein, environ 24 heures de temps, depuis adresse président de la République, Jovenel Moïse, à la nation, et bien divers coins dans la capitale là. En bas, pas monter, en bas, pas descendre. Ouais, manifestation tentative pour te mettre du feu dans diverses entreprises et institutions. L'État, coût privé, en tout cas, situation
gens ont été paralysés dans divers endroits dans la zone métropolitaine. Port-au-Prince, côté l'école, administration publique, coût privé, la banque, commerce, toute qualité, pas privé, fonctionner. N'a pas retourné sur journée ailleurs avec Jean-Georges Blaise dans un reportage. Malgré votation qui dans la ria, côté partisan camp opposition sous Brezegno, ça n'a pas empêché quelques petits machins bravés danger, n'al bousquer côté la vie a fait coin. En bas la villa qui fermait depuis à peu près 2 semaines. C'est en bas coute roche, cartouche, même secteur informel là, obligé à chercher pain quotidien dans l'autre marchandise au bon la ria, surtout sous grand ria, yo dit qu'il charge à mauvais larron. C'est vrai, yo prend la ria quand même, mais pas gain à fait. Pour répéter déclaration, c'était un petit marchand qui obligé mettre main dans machoué, deux mains en tête à cause dernier développement. Situation. Là où pas bon, il est tiré tribord pas bon. Est-ce que vous risquez vie ou venir dans la rue et puis pas de mon Dieu, gè bal marron dans la rue, hein. Gè toute qualité bagaille. Ma sonne yo pas ka vinn vendre. Là nous vini nous pas même ka ouvert commerce non. C'est vini camper ve un petit grain monde pour nous ka ouvert boîte pour nous vendre en dans boîte là nous pas ka ranger. Yo secteur qui aux abois dans cette commerciale là, non seulement face avec phénomène insécurité côté bandi prend yon malin plaisir pour piller dépôt marchandises en bas la ville, mais tout moun yo pè prend la rue à cause vent panique cap sou fait chaque jour sous capitale là côté même magasin obligé à l'époque. Pas de magasin qui ouvre, pas de fonctionner. Nous même qui venons là, c'est risque nous prenons, nous risquons de vivre. Nous venons nous pas vendre pour nous même aller. Pas de bagaille qui fonctionne même. Imagine nous même tous sous ta business, autant de gens de bagaille. Est-ce que vous avez couvert pour bailler mon vin, tribicher, piller? Non, vous obligez de fermer, vous mettez. C'est qu'il est activité capable de prendre comme ça doit en bas la ville. C'est question de machin qui dit, yo pas qu'à qu'un encore face avec situation ça yo dit qu'il d'ailleurs déjà des mauvaises conséquences selon petit commerçant qui fait qu'on est l'île à l'état pour Abraham dit c'est assez soit garder dans marché qui rassoit li blanche dans depuis 2 semaines li va pas fonctionner ça a été fermé en côté et ou même pas même ka vini pour dégager pour ravitailler dans la rue pour ka payer son là avec moya les consa li pas bon pour nous tout en bas pas beau sale blanche tout en l'air dans rue des César pas gien monde et souyon marché yon 2 ou 3 nous vini là nous risque vini nous vini et c'est pas seulement secteur informel là qu'a prend pas ta swell gros commerce dans tout des gros difficultés pour fonctionner côté la banque mettait à grand pile pomme gasoline dans capital là rete à porte fermée plusieurs business saccagé pillé côté individu à gros âme la guerre en bas pointio a rançonné moun dans la ria craser très tôt casser point ti machin sans compter machine a continué bouler dans cadre opération fermé pays Jean-Georges Blaise Caraïbes FM. Oui, Jean-Georges Blaise, action publique pral mettre en mouvement contre tout le monde qui est impliqué dans divers actes dans la juridiction Port-au-Prince là, pendant le dernier jour, ça y a ces déclarations. Commissaire gouvernement qui retournait dans le pays hier mercredi, commissaire gouvernement qui était en voyage dans Washington. Oui, commissaire gouvernement, pas qu'on essaie de rentrer. Il retournait. Donc, qui les mêmes t'as parlé concernant l'incident qui était passé dans le Parlement, Paul Ronceville, qui saluait photojournaliste Gennaro Chéri, qui lui-même c'est une parmi les victimes. Il fait qu'on est, un sénateur doit un exemple pendant le rappeler depuis gagné flagrance n'importe citoyen qui a arrêté n'importe qui moun. Ce fakia dit pas tolérer les accrasés brisés dans le pays. D'un côté, dans le micro, Mac Gerson, Félicitain. Et il faut nous que nous tenons une mission d'État, il y a 2 missions, et une mission au Chili pour des échanges juridiques avec les magistrats chiliens. Et deuxièmement, nous avons gagné de pétitionnaires qui étaient déposés de plaintes pas devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Donc nous avons fait partie d'une délégation pour nous présenter la position officielle de l'État et comme commissaire du gouvernement par rapport à des plaintes qui ont été déposées sur 2 dossiers brûlants, notamment le dossier de la Saline, dossier Petro-Caribe, le dossier de la détention préventive prolongée. Donc nous partons dans le pays, hein, mais après-midi, nous rentrons.
Donc, nous, effectivement, nous avons connaissance de faits qui passaient. Hein. Mais dans le moment où tu as passé, il y a des pile d'échauffourées, un pile de discussions politiques, nous avons fait de précision pour nous. Nous avons compris qu'en matière de flagrant délit, quel que soit citoyen qui a procédé à l'arrestation de n'importe qui monde qui commet une infraction en flagrant délit. Et depuis que flagrant délit, toute immunité tombée, comme nous sommes clairs sur ça. Mais maintenant, ça pour nous comprendre, action publique, commissaire gouvernement gagne comme prérogative, là, il y a deux possibilités. Il y a l'appréciation générale de la mise en mouvement de l'action publique, qui c'est l'opportunité des poursuites, et la légalité de la mise en mouvement de l'action publique. Donc, par rapport à CAFA, comme mon partenaire pays, hein, il se pourrait bien que si on était là, on a pris de l'autre disposition, mais ma Mounio, à peine moi entré là, on va commencer travail sur un plan, pas seulement mettre l'action publique en mouvement contre un monde qui commet un acte en flagrant délit, mais profiter de ces circonstances pour mettre l'action publique en mouvement contre toute qualité de monde qui, d'une manière ou d'une autre, a commettre des infractions sur la voie publique. Parce que nous dit, pays en gain assez, crise corsée, il n'est pas normal, ou si crasse bagaille nous gagne dans le pays, hein, on a brûlé sous prétexte de revendication politique. Donc nous-mêmes, il y a des mesures drastiques, nous allons prendre dans le moment qu'on a venu là, et on a pris des mesures contre tout fait, tout acte de corruption qu'on a commis dans la ville là. Nous avons des gens qui ont parlé de légitime défense. Oui, légitime défense, mais légitime défense, ça l'a prouvé par devant un tribunal. Parler de légitime défense, nous connaissons un cas de légitime défense, la réplique doit être proportionnelle à l'attaque. Mais monde qui était sous place en face sénateur, il seulement ouais, il tape juré, etc. par l'empile. Mais là, sénateur a les amis le tirer, il y a même un journaliste qui est blessé par balle. Est-ce que là, nous avons rapidement parlé de légitime défense? Jean sénateur a dit ça. Pendant ma salué et journaliste hein, qui prend balle là. Et qui actuellement a pris soin de l'hôpital, et tout le monde connaît sensibilité par rapport à la presse en général qui jouait un rôle important dans la question démocratie en Haïti. Et je dis ça, la presse est un phénomène de contre-pouvoir et les journalistes doivent être protégés en tout état de cause. Mais quels que soient les cas de figure, si bien on échauffouré, on toujours dit ça, un sénateur de la République les doué by exemple. Le sénateur de la République, il doit analyser la situation pour nous voir qui s'est gagné. Parce que si c'est Tijouel qui a les amenants, il se pourrait bien que pas l'importance. Mais là, son sénateur de la République qui fait, et ça faut être tout le monde à parler de lui. Maintenant, étant donné que je ne suis pas sous place, je m'appelle d'entrer dans le pays, je vais chercher un rapport de ce qui s'est passé. Hein, et je prends toute disposition pour quel que soit fait, pour quel que soit monde, n'importe quoi dire pour une médiation publique en mouvement. Est-ce que délai flagrance n'a pas été écoulé là? Heureusement, la loi baou toute possibilité. Et précision importante pour me faire pour mon c'est que pas une façon côté que vous mettez action publique en mouvement. Pas qu'arriver que dans une situation spéciale, qu'on va y arriver, délai flagrance n'a écoulé, pas un problème. Mais la loi, bon, pas non plus d'actes sur le plan du droit qu'on a fait pour mettre l'action publique en mouvement. Donc, je dis, nous avons profité de ces circonstances pour nous dire, tout le monde qui a marché, nous les barrons, fait incendie, crasse vite machine, ça ne nous pas tolérer et nous avons comme si nous mettions l'action sur le monde en particulier, quel que soit l'action, d'ailleurs, nous avons rencontré là, nous avons discuté avec le directeur de l'Islam, et il y a assez, il n'y a pas qu'à supporter encore, et nous-mêmes, nous allons prendre toutes dispositions, notamment avec l'ULCC, quel que soit acte de corruption, quel que soit acte de vandalisme qui fait sur le territoire, hein, notamment dans la juridiction de Port-au-Prince, hein, n'a pas sévi avec la dernière rigueur. Action publique a mis un mouvement contre tout le monde qui a orchestré de actes arbitraires dans la juridiction de Port-au-Prince. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Paul Hérons Villa, qui à peine retourné dans le pays après un voyage aux États-Unis. Chef paquet Port-au-Prince qui dit dans le niveau paquet pas tolérer aucun comportement crasé, brisé et il dit la justice va le mettre en branle contre tout le monde yo ta joué une implication dans dernier crasé, brisé. Nous gagnons pour aller Gonaïve guerrier tout à l'heure puisque ville ça même Jacques plusieurs autres villes à travers pays inondé et Gonaïve Mounio encore gagné dans l'esprit inondation yo te vive
en 2004 là côté en pile monde t'est mouri oui situation ça elle était créé gros panique hier soir dans Gonaïve l'aide l'eau qui était envahi plusieurs quartiers dans la cité de l'indépendance. Là, Gonaïve qui a vécu une situation exceptionnelle depuis raté gaz à côté. Jusqu'à présent, gaz n'est toujours pas disponible dans Pompio. Mounio t'a pour courir quitter zone la Caillou en bas la ville pour chercher monter dans Mon, dans niveau bien à Gonaïve qui a vécu tout un moment trouble politique avec série manifestation qui après poussé. Suivre matin à nos palais, à qui on notable dans la ville Gonaïve. Le temps nous rejoint Jolivin Jules, monsieur rapportez-nous, dans la manifestation qui fait le dernier jour Sayo, Mounio manifesté à Xam nan men, et ça fait en bas yeux la police qui pas réagi. On va aller au cahier tout à l'heure, mais bon, parler de changement qui fait dans l'administration publique. Là, on a un arrêté présidentiel qui est sorti dans le numéro 24 septembre. Non, président Jovenel Moïse nommé citoyen Lionel Valbrun, ancien ministre de l'Agriculture, comme secrétaire général de la présidence. Et dans rang ministre, et puis citoyen Pierre-Josué Agenor Cadet comme ministre AI intérieur collectivité territoriale. Installation ça qui est déjà faite hier. C'est ministre, premier ministre démissionnaire là, Jean-Michel Lapin qui est installé ministre éducation démissionnaire là, Pierre-Josué Agenor Cadet comme ministre intérieur pour remplacer Jean-Marie Reynaldo Brunet qui lui-même perdu Diobli, ancien ministre éducation démissionnaire. L'agent Dillan l'y remplacé citoyen Reynaldo Brunet a arrêté ça qui paraît dans le journal officiel Le Moniteur seulement yon titan après adresse à l'ancien président République Jovenel Moïse côté lui promette pour lui pas répondre violence sac violence et nous apprendre Fednel mon chéri DG ministère intérieur là l'y remettre démission là. Et l'ETSA, l'est daté 24 septembre, donc Fednel Moncheri qui lui-même remet démission. Et c'est à Amos Zéphirin qui, selon information, n'a pas gagné pour remplacer le dans le ministère intérieur. Jeudi en guerrier, c'est journée mondiale la contraception. Yon date qui tombée en Haïti, dans le moment côté pays, a fait face à une crise qui paralysait la vie et qui déjà détruit en pile vie et qui même affecte toute activité, possibilité, activité pour célébrer comme ça droit. Et on date comme ça, pas gain aucune annonce, cérémonie officielle non plus pour marquer journée ça, contrairement à l'année passée, ni bon côté, gouvernement à ONG qui compte profiter occasion ça pour réfléchir sous bilan activité réalisée dans le secteur ça. Haïti a un pourcentage grossesse non désirée qui dépassait limite, c'est côté tout. Tout le monde qui a mouru dans accouchement puis élevé dans l'hémisphère américain pendant tout. Timon qui a fait yo dépasser voisin nous dans le Caraïbe blanc, parler contraception, c'est parler planification familiale, un sujet en tout cas qui était tabou dans le pays jusqu'à présent malgré les efforts qui sont consentis pour sensibiliser la population qui gagne l'âge pour faire petite. N'a pas rappelé d'ailleurs au travail recherche qui était présenté dans l'Université de l'État en l'année 2017. Docteur Emmanuel Joseph établit rapport qui gagne entre planification familiale à niveau socio-économique familial dans le pays d'Haïti. Caraïbes FM, il fait 6h05 nous pour aller dans la ville au Caï pour nous retrouver correspondant nous Georges Valence pour connaître comment au Caï est réveillé. On résumé des journées hier là. Valence, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour tout le monde qui attend des journaux à l'Anlès. Eh bien, non, saluer mon Seto qui est sur Radio Planète dans la ville Okaï. Et nous saluer également mon qui attend nous au niveau de Radio Télé La Brise. Au niveau de l'Université, il faut nous dire que dans le moment que nous avons parlé là, eh bien, ville lui-même les levé, c'est qu'il y a un pile nuage, nous a dit. Au niveau de la température, lui-même n'est pas mis à la puce de préférence. Mais ce qui est en rapport avec la question mouvement, c'est que matin là, au niveau de Fougas, eh bien déjà, il y a un gros barricade qui gagne. Et il faut que nous disions barricade, ça, c'est depuis hier qu'il a commencé, mais dans le premier temps,
l'été défaite parce que la police est arrivée arrêter trois mounes dans un moment que monsieur même était barricadé au niveau du Fogas. Il y a barricade nous dit un cadavre qui est très difficile pour arriver à démanteler hier, mais monsieur était défaite pour être capable de jouer la libération trois mounes que la police et arrêté. Donc une fois la police est venue libérer Mounsao hier soir, eh bien, barricade d'intérêt remontée pire raide, ça qui vient mettre en situation difficile pour moun qui a sauté dans Port-au-Prince ou bien pour moun qui a quitté Vilokai qui a allé en direction de Port-au-Prince, puisque blocus a donc les barricades qui a metté au niveau de Fogas permettre que transport ou bien circulation pas capable d'arriver au niveau de la ville des Cailles. Et manifestation, il faut que nous disions que monsieur qui prévoit en manifestation qui est baptisé Mounfou qui va le faire demain dans Ville Cailles, et il a fait connaître qu'il y a arrivé à réaliser toute activité dans le vent et après démarrer depuis bien bonnet en façon pour capable de demander démission rapide d'un président qui s'est levé le mauvais. Donc, en ce sens-là, monsieur a invité tout le monde pour ne pas quitter Timounio, c'est ça qu'il a fait connaître, pour ne pas prendre des Timounio là-là. Oui, en façon, fait mouvement, il sent aucun problème et il a déjà félicité collaboration. Il a commencé à joindre beaucoup de nouveau directeur départemental de police, là, puisque selon ça, il a dit. Notification à la police, bien dit que ça a lieu différent selon l'information qui est responsable au mouvement ça de même libre. Mouvement de manifestation qui est baptisé pour demain dans hein, au mouvement il est capable, il fait qu'on est capable d'être différent net par rapport à ce qui est des mouvements de manifestation qui ont déjà fait dans la ville. Donc, Jean-Luc Blanc, hier, par exemple, monsieur était tenté à faire pour prendre la rue, mais malheureusement, la pluie pendant toute journée a paralysé le mouvement qui même été voulu faire, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait certaines zones que monsieur était tenté de mettre caoutchouc, du fil, mais dans le niveau. La savane au CAI, donc c'est toujours bien tension côté que la police a été intervenue et c'est une zone dans au CAI qui toujours gagne tension chaque jour par rapport à un mouvement que Mounsa même a fait, est toujours dans l'esprit pour demander départ président en pays et surtout énoncer difficultés, problèmes que même il a vu dans le bloc la savane. Bref, à Ville au CAI, dans le moment où on a parlé là, les températures, là, j'ai noté fait remarquer lui. Paraît dans sous la pluie, mais pas gagné des barricades qui en dans ville, mais l'a fait remarquer également depuis avant-hier, monsieur au même lieu du feu dans barrière l'école Saint-Salésienne qui dans Cafou Boyer, donc il y a caoutchouc qui était boulé rapide et c'est dans barrière qui au même lieu qui et puis il y a l'autre côté espace dans Cafou côté que des écoles surtout qu'on gagne même il mettait du fil toujours dans le carrefour que il trouvé en façon pour empêcher selon ça il dit question l'école là, mais il y a un vrai problème qui gagne dans ville local au moment on a parlé là, c'est question gaz blanc qui de jour en jour vient paraître plus difficile pour le monde d'ajourner puisque ça fait quelques jours depuis graines pompe qui qu'on habite Bayo parce que pas gagné plus que trois pompes depuis beaucoup de temps qui toujours tenté Bayo anti-gaz, mais pas plus qu'il est dans mais gaz ça yo, c'est surtout que yo gain au monde pour Bayli et bien yo profiter Bayli ça qui faciliter les consommateurs marchands yo joindre gaz puisque dans Okai pompe yo pas bay véhicule gaz, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de motocyclette, mais de préférence, c'est marchand qui ont même de gaz seulement, ça qui vient rendre la situation en jour vient plus compliquée. Et si par malheur l'école t'est ouverte, eh bien, mon y a toujours une grosse difficulté pour aller à l'école, puisque pas de moyens, pas de gaz dans la ville. J'en ai dit là, il y a trois grandes pompes qui ont habité de gaz, mais ça, ce n'est pas un véhicule, mais de préférence, c'est un marchand qui ont même
Giovanni, malgré communiqué que autorité que pour certains des autorités qui ont qualifié de nul dans la ville locale, puisque ils ont estimé, quelle que soit la décision, qu'ils ont mon qui est responsable Boris Tabran, et bien décision ça pas utile à rien, puisqu'il n'est pas capable d'appliquer, et bien marchand mieux, ils ont toujours dans la rue sans aucun problème, malgré tentative parfois la police en fait de moments à d'autres pour courir des petits marchands, mais après ils ont retourné pour la plus belle. Donc situation vraiment critique pour question gaz à pour le monde jeune, on tire de gaz pour déplacer au niveau de la ville des Cahiers-Guerriers. D'accord, mais merci un peu, Georges Valen, c'est sur question gazlan. Donc, selon information, il y a des gaz dans le pays, mais camion yo pas arrivé sous place pour être capable de prendre gaz yo pour la distribuer dans le point plus à cause de la situation la rouille. Donc, information, il y a gaz disponible, mais la rouille qui, en tout cas, est barricadée dans le coin, fait que camion yo pas arrivé déplacé pour aller prend gaz dans deux terminales. Merci un peu, Georges Valens. Nous prenons parler couliant de ensemble organisation politique opposition qui voulait jeter appel dialogue de président de la République le lancé dans l'adresse à la nation les faits ailleurs. Dirigeant structure c'est la âme des parents yo continuer kembe petit yo la caillou jusqu'à ce que président Jovenel Moïse tant des raisons yo fait profiter présenter parcours manifestation ça qui a pas gain pour organiser demain vendredi 27 septembre. Non, écoutez Abel Loristo à Kedzer Jean-Louis c'est devenu responsable ensemble organisation politique opposition à un micro original de Rémi. Nous dénoncer et rejeter dialogue que le président NKPA m'a donné. Positionnons-nous, fixer le jour de jeudi et nous faisons les mêmes positions que nous avons déjà, que nous parlons dialogue avec Jovenel Moïse, ni nous parlons gouvernement d'Union nationale ensemble avec Jovenel Moïse. C'est pour cette raison que nous venons là jeudi à là. Pour nous dire, population, continuez à mobiliser, continuez à lever campé dans quatre pays pour nous jouer un départ Jovenel Moïse sous pouvoir. Nous connaissons que dans l'argent Jovenel Moïse était dépensé dans le caravane de changement de parlé. Et nous disons que tout le bagage s'est recompilé pour nous dire que nous faisons un dialogue avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse devait parler avec mes plans. Nos déclarations folkloriques, il tombe jusqu'à 10h du matin pour adresser avec la nation. Qui ça la vie de la nation à 10h du matin? Nous dit que nous parlons dialogue avec Jovenel Moïse encore. C'est pour cette raison. L'ensemble organisation politique de l'opposition dit peuple, je dis à mobilisation pour continuer. Demain, pire toujours sur le masque à déraper, mais vendredi, son bagage, nous ne pouvons pas gérer parce que c'est toute population haïtienne, non, dans 10 départements qui va lever campé. Par quoi, dans ce sous place, papa des salines, quand il y a tout le monde qui a sorti, Fontamara, Cafou, troisième circonscription, deuxième, premier, capitaine genou là à partir de 9h du matin, pour nous déraper, pour nous passer en de tout ghetto, pour nous prendre autoroute de Delma. Lorsque nous arrivons dans le café au bon, nous allons dans le monde, si des soleils, capitaine genou là, nous ne croyons pas qu'il n'y a pas d'émission, nous reçoit maternité qui nous a dans zone, c'est là la ville de genou, café au bon, pour nous de Pétionville. Mon Pétionville, retenons Pétionville. Mon qui n'a prison. Moun ki nan l'hôpital, parlons moun, yo tire yo. Nous disons, kembe la palage, bataille la, commence et nap gen victoire quand même. Jodia nous dit clair, nous tenons Jovenel Moïse à parler de dialogue. Je bouge, tête pour tête. Nous dit avec Jovenel Moïse, pas de dialogue, ni je bouge, ni tête pour tête. Nous dit Jovenel Moïse, c'est une équipe. Jodia, on est cap blanchi l'argent. Qui tête pour tête nous capables de faire avec lui. Bouger nous capables de faire avec lui. Mais je dis à pas de négociation. Nous dit clair comme nous cocoyer, nous dit Jovenel Moïse doit remettre clé par les nationales là. Jovenel Moïse doit démissionner. C'est une façon pour nous capables de gagner le président qui est capable de venir, qui peut venir répondre avec des idées à la population. Je dis à nous dit nous pas capables. Jovenel Moïse mette nous dans poussière, dans fatra, dans l'insécurité, dans la boue. Si nous pas à l'école, pas à l'hôpital, pas à rien. Nous même ensemble, organisation politique de l'opposition, nous dit tremblement de terre, 9.9 goudou goudou sectoriel là pour le passé, qui peut titre à Magedon. Et bien nous dit tout le monde, que des machines nous la caillou, tout le monde, que des petits nous la caillou. Parce que je dis à la, nous même ensemble, organisation politique de l'opposition,
opposition, n'a évité tout dommage collatéraux. Je dis à nous, le peuple qui a pris balle dans le dos, qui a pris balle dans le ventre, qui a pris balle dans la tête, je dis à c'est nous-mêmes encore pour victimes, pour qu'il peut tuer le Jovenel Moïse. Notre bataille n'a pas là, pas de feedback, pas de dialogue. Autant pas côté après l'autre Abel Loreston avec Edzer Jean-Louis et puis n'a pas dit monde qui a fait zone royale chrétien pour toujours prendre précaution puisque l'huile qui était déposée dans monde ça jusqu'à présent là bail problème hein, d'après ça un habitant dans zone fin connaît donc en pile l'attention dans monde machine surtout hein, qui a fait zone royale chrétien parce que l'huile là toujours bail problème.